Bienvenue dans Bourdelle en cuisine, la nouvelle émission culinaire présentée par votre serviteur Wilfried en personne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment préparer un plat typiquement belge, les macaronis au sucre de canne. Et du moins, j'imagine que c'est belge. Tu te doutes bien que c'est ni un Italien qui est rentré un jour à ce baraque et qui a dit à ce coumère. Chou, eh ben me fais un plat spaghetti bolognaise. Mais chou, on en va plus bon de sauce tomate. Mais ça, ce n'est rien. Tu as qu'à mettre du beurre avec du sucre. C'est le même. Les ingrédients sont simples, hein. Des macaronis, n'importe lesquels, avec ou sans gluten, complète ou incomplète, multicolore ou en forme de bilote, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Du beurre, hein, de la ferme à Gustave, évidemment. Et bien entendu, le sucre de canne. Et si vous avez des envies particulières et des goûts de chiottes, hein, vous pouvez rajouter un peu de lait. Et si t'as pas de lait, bah tu appelles Bernadette et elle viendra gentiment t'offrir un peu de lait maternel car elle est tellement généreuse. Alors, pour comme un chien, hein, tu prends une casserole, tu fous de l'eau dedans, tranquillement, comme ça. Je dis que c'est bien. Et voilà, et tu la mets à chauffer, hein. Pour les mineurs, d'être toujours bien accompagné d'un adulte, bien évidemment, hein. En attendant que l'eau, elle bouille, j'imagine que vous avez dû remarquer ce petit ustensile très sympathique qui s'appelle le décapsuleur de prépuce, hein. Donc je l'ai acheté dans une brocante, ça servait au Moyen-Âge à circoncire les biloutes, donc il fallait venir avec sa biloute ici en dessous, là. Et voilà le travail, c'est propre. Alors quand l'eau elle bouille, hein, ben tu fous tes pattes dedans. Et surtout tu n'oublies pas, pour tous ceux qui sont biaises, il faut y foutre du sel dans l'eau, parce que c'est des macaronis au sucre de canne. Quand les pattes sont cuites, hein, tu prends une assiette, hein, voilà, et tu les égouttes, tu les fous dans une assiette. Ensuite, hein, tu y fous une bonne splotche de beurre. Rajoute une ou deux cuillères à soupe, hein, de sucre de canne. Voilà, hein. Et si tu as le palais méditerranéen et des goûts de chiottes, tu peux toujours rajouter un peu, hein, de chocolat, hein, en poudre, ou bien alors du parmigiano, ou bien du pili-pili. Tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Et voilà, et maintenant on va passer à la dégustation, hein. Ça n'a aucun bon sens. Voilà, donc c'était Bourdelle en cuisine, hein, et à la prochaine pour de nouvelles recettes. Et si t'as aimé cette vidéo, tu mets un petit pouce bleu et puis tu t'abonnes, ça fait plaisir. Parce que sinon j'arrête le biestrille.